Eh bien salut tout le monde, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau déballage. Sans plus tarder, découvrons le HD PVR Rocket de chez Opoj. On retrouve à première vue un emballage sobre et design, mais sans plus tarder, et comme à mon habitude, je me munis du couteau et je déballe le tout. On retrouvera plusieurs accessoires dont les câbles HDMI, ainsi qu'un adaptateur pour relier votre Wii à ce boîtier, ce qui est très appréciable. Ce produit vous permettra d'enregistrer par exemple des gameplays sur vos consoles de jeu, mais aussi toutes sortes de périphériques branchés via la connectique HDMI sans protection HDCP. Et oui, si vous souhaitez donc relier le boîtier à votre PlayStation, il vous faudra un adaptateur se nommant Splitter. Pour plus d'informations, rendez-vous dans la description. Ce Rocket embarque donc une entrée et une sortie Full HD, vous allez donc pouvoir profiter pleinement d'une qualité de 1080p, autrement dit 1920 par 1080 pixels. Mais le plus impressionnant, c'est de pouvoir faire tout ça grâce à un objet qui ne pèse que 130 grammes. Vous pourrez retrouver vos fichiers sur une clé USB de 32Go maximum qui sera reliée au boîtier lors de la capture. En plus des entrées et sorties vidéo, nous pouvons brancher notre casque pour capturer en même temps que le chat du jeu notre voix. Nous avons de fournir également un logiciel avec lequel vous allez pouvoir éditer, enregistrer et envoyer vos fichiers directement vers YouTube. Et pour finir avec les spécifications concernant l'alimentation, il suffira de le relier à une prise USB pour qu'il fonctionne. Vous l'aurez compris, cet objet m'a beaucoup séduit par sa petite taille, son efficacité, ce qui fait de lui un très bon rapport qualité-prix, rivalisant largement avec ses concurrents. S'élevant aux alentours des 150€, ce boîtier se baladera partout avec vous. J'ai vraiment été ravi de pouvoir vous présenter un tel produit que j'affectionne particulièrement. Je vais réaliser d'ici peu une autre vidéo tutoriel concernant son utilisation et son installation en faisant quelques lives avec par exemple. Si vous souhaitez donc me suivre en direct lors des sessions de jeu, je vous laisse vous abonner à ma chaîne Gamer Connection se trouvant encore une fois dans la description. J'espère en tout cas que cette présentation vous aura plu. Les plans vidéo ont été réalisés avec un nouvel accessoire que je vous montrerai très bientôt. Sur ce, n'hésitez pas à mettre un j'aime sur la vidéo, à l'ajouter à vos favoris, à la commenter et à vous abonner à la chaîne bien entendu pour être au courant de la sortie du prochain tutoriel sur ce boîtier. Moi je vous dis prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao tout le monde !